The currents of the void shift around me. Follow my voice, my last possession. My name was Empress Carminia, and I was the last regent of the Star Union. We built a paradise on 1,000 planets, a glistening web strung between the stars. But the cataclysm shattered all, leaving our people stranded and alien to one another. Whoever you are, whatever you have become, it is time to leave this dark age behind and return to the worlds of your ancestors. Uncover our secrets, but heed our mistakes. Forge a new empire, a new age of wonders. À vos ordres. Du coup, on a plusieurs campagnes. Avec des races différentes à chaque fois, apparemment. On va commencer par le didacticiel. Le tacticiel, n'importe quoi. Comme ça, on va apprendre. On va apprendre à jouer. Commander's personal record. Vanguard LCVP-86 emerged from void space intact. Our destination is a small planet located near to the anomaly in the system. Scans are showing nothing but static from the research outpost below. The distress call we received remains the only sign of life. Ça pue déjà un peu la merde, mon gars. The void anomaly looms over the planet like a dark omen. These scientists must have been mad to study the phenomenon from this close. But it's not for me to question their motives. We're here to secure a foothold, search for any survivors, and investigate what happened. Prepare for planet fall. Well. Bonus de départ. Pour commencer, les unités de l'armée ont plus 1 en rang. Ok. Bonus à long terme. Les unités produites ont plus 1 en rang. Ok. Armes à feu, groupe d'armes laser, dépôt des tourelles. C'est la force unitaire et la propagande. Unité à distance puissante. Et faible capacité de mêlée. Génial. Bonsoir Don Rivol, comment ça va? Pas reçu après l'entraînement à l'assaut. Je commence le jeu avec une armée plus grande au départ. D'accord. J'ai pété mon tel avec la porte de la voiture. Ah merde! Ah ça c'est con ça. Rip le tel. Welcome Commander. I am Ava, your autonomous integrated virtual assistant. Standard issue for every planetary governor of the Star Union. My messages will appear when instructions are undertaken for the first time. They can be reviewed at any time in the Imperial. Oh, moi ça va, mis à part le fait que j'ai dû me lever à 5h du mat, mais sinon tout va bien. Alors, qui connaît la couleur, blablabla. Ok. Faire un tour. C'est pour le déplacement. Pouvoir utiliser Discord sur la télé. Mais du coup, tu vas pouvoir l'envoyer en SAV ou tu es obligé d'en racheter un par toi-même? Et est-ce que ton
Ton téléphone est mort ou est-ce qu'il y a juste genre l'écran qui est pété ou ce genre de truc? Quel de survivants? Sectionner votre armée, explorer le secteur à proximité, localiser et examiner le biodôme envahi par la végétation. L'écran est mort. Mais mort ou tu peux encore voir mais c'est pété. C'est différent, parce que si tu peux encore voir un minimum, ça va. Si c'est par contre si c'est complètement This pété. Is an army. Armies contain up to 6 units on a single hex and are used to explore the world, attack enemy armies and defend colonies. Ah oui, ok. To move an army, select it, and then move ça je me doute. J'ai envie de voir ça. Voilà, la base. It allows you to inspect and control your settlements on this planet. The tabs at the top left cycle through the production and colonist options. Under this colony's name, you can see the amount of each resource this colony generates. A description and a breakdown of the colony's income can be found in the tooltips of each resource. Donc du coup là t'en as un mais t'en as un en stock mais j'imagine que c'est un vieux puisque tu dis que tu veux pouvoir utiliser Discord donc c'est pas un smartphone ou alors c'est un très très vieux smartphone. A3 2017. Ouais pas si vieux que ça alors. Ça fait quoi 2017 c'est 4 ans. 4-5 ans, gros max. The currently selected colony tab is unit production. Ouais. All units available for construction are listed here. Ok. Ça, c'est quand tu veux. Produire d'autres unités. Donc les unités coûtent de l'énergie. Apparemment, il sait tout. Ok. Sauf le colonisateur qui coûte. C'est quoi ça? Cosmite. Et qui coûte hein, de. En population, mais population, on a largement de quoi faire. This is the structure production tab. Colony structures can be built from here to unlock new units, strengthen the economy, and bolster the colony's defenses. Donc du coup, en attendant, t'as celui-là, mais tu vas en racheter un ou tu vas faire avec celui que t'as du coup? Voilà, j'imagine qu'il faut que je crée ça. Ça fait quoi? Au niveau de la capacité de construire des unités escarmoucheuses. Dans cette colonie. Ok. Spécialiste. Un réacteur qui fournit une énergie pour payer la création et l'entretien de nos armées. D'accord. BFM central. On le fait plus rapidement. Ok. Fournit plus 15 en production. Le terrain, c'est principalement de la forêt. On peut avoir ce que les ressources sont hein. plus en forêt. Hein. Machin, ça serait mieux que je fasse je veux la colonie. Pourquoi je veux pas sélectionner la colonie? Ah, quand même. Donc du coup, ils veulent que je fasse ça
Mais c'est moins intéressant puisque je suis en plus en nourriture. Ce serait mieux que je fasse ça. Units and structures can be built in a colony by selecting the produce option, which places them in the production queue. Ok. Est-ce que après je pourrais en faire d'autres, ça c'est la question. The sector production tab lists the structures that can be built in any of the province sectors of the colony. Ok. The colonist tab lists pas encore de secteur dans le colony's growth and happiness. The colony's output can be fine-tuned by assigning colonists to resource slots. Ok. Bon, ça c'est vraiment si tu veux te faire chier à dire genre je veux tant de personnes sur je veux tout le monde en énergie et personne en truc ou en ferme automatique. Ah, c'est quoi ça? Emplacement de bonheur. Ok. Quatre-vingt-cinq par an. Ok. Ici. 19, c'est pas beaucoup. La 75. En vrai, j'ai envie de rajouter le l'emplacement de bonheur. À la place de ça. Comme ça, pour qu'ils soient plus contents. Empêcher le déficit. Ouais. Et mutier 0. Le martial, maintenant. Pas déconner. Modifier le monde de la colonie, je m'en fous. Structure de la colonie. Forêt. Fongique. Propriétaire, ok. D'accord. Ok. Bon. On va aller là-bas. C'est quoi ça? Méga bébé scarabée et canis sauteur chasseur d'hommes. D'accord. Ah, est-ce que je peux gérer mes unités? Heroes are special units that lead your armies. Commander, you are also represented as a hero on the map. D'accord. Je suis un héros, pardon. J'ai quoi là de base? Fusil laser. C'est quoi ça? Grenade. Pour lui mettre une épée laser, en vrai. Revolver impérial. À la place de la grenade. Go. Mods allow you to improve your units later in the game and allow you to adapt your arsenal to ever evolving threats. Ok. J'ai pas de mode. Du coup. Okay. Confirmer changement. Ah, mais ça va me coûter de. Ok. This non, is non. The unit panel where all units can have. J'imagine que je peux faire différents modes, pareil. Mais vu que bah, du coup j'ai rien. Du coup c'est un nom. The objectives interface gives an overview of available objectives. Quests can come from NPC factions or from special sources during the campaign. Ok. Donc du coup il faut que je trouve des survivants. Il faut que je découvre ce qui s'est passé au centre de recherche. C'est une condition de victoire, pour l'instant je l'ai pas, quitte à l'échange pas, unité militaire on s'en fout.
J'ai rien terminé, c'est normal. Ok. Terminer le tour, changer les événements. Operations form a flexible toolkit that allows commanders to support military actions and steer government policies. Ops of increasing strength are unlocked through research and are listed on the left side of the operations interface. Strategic and doctrine operations need to be primed before use. The priming process takes a number of turns pending the ops cost and your available strategic operation points. Voilà. De toute façon, pour l'instant, j'en ai pas, donc ça ne sert à rien. Y a pas un truc genre technologie ou... All rival commanders and native NPC factions you encounter on the planet are listed in the diplomacy interface, along with faction information and their relation towards you. Là, c'est où tu peux justement faire des traités pour éviter qu'on vienne te péter la gueule tout de suite. Enfin, que tout le monde vienne te péter la gueule en même temps plutôt. Ils sont avec moi, donc on s'en fout. Ok. The colony overview interface shows important information on all your colonies. Your HQ colony is marked with the throne icon. Ok. Donc ça, c'est le résumé. Ça, c'est le résumé des armées. Une boutique arsenal. Ah, je peux vendre. Non. Non, je peux pas vendre. Je peux juste acheter. The unit's template manager interface shows you mod templates for units. Ok, ça c'est quand tu fais des mods, du coup après tu peux voir les mods que t'as fait. Ok. Bon, du coup on va aller là. Faire clic droit, ça. C'est ça. When all suggested actions from the task notifier above the minimap have been handled, the donc apparemment il n'y a pas de technologie. Centrale de réplicateur, faut monter la production. Mais non, mais j'ai fait ça juste avant. Mais bon, c'est tout. Là, je fais. Là, tu commences à me saouler. Parce qu'ils veulent que je fasse le truc, mais bah, du coup, je peux pas le faire. Parce que j'ai fait autre chose. T'as du tout. Hop là. Okay. Support de nanite. Welcome to the research center, Commander. Here we allocate knowledge to rediscover the technologies of the Star Union and search for new frontiers. Deux pistes en parallèle. Military research concerns unit unlocks, unit mods, and military operations. Recherche raciale, recherche d'armes et recherche avec technologies secrètes. D'accord. Ça, j'imagine c'est en fonction de genre, si t'as plusieurs factions de classes différentes qui sont dans la même alliance, tu peux peut-être voir les différents trucs. Ouais. Donc du coup, ils veulent que je fasse ça. Qu'est-ce que c'est? Injecteur de nanite. Station de support de nanite. Objectivement, il est possible de détruire la station de support en nanite. D'accord. Ok.
C'est quoi, laser lourd? Ok. D'accord. L'unité peut marcher à travers les obstacles et est 15% plus difficile à toucher en combat. En outre, ce mode octroie plus 1 je sais pas quoi à l'unité. Et je peux pas voir. Non, c'est pas génial. Pas génial de pas pouvoir voir. Téléporté dans un ex aléatoire dans un rayon de ex de sa position d'origine. Ça m'intéresse bien. Parce que les autres après c'est du... Ça c'est du soin, ça c'est du dégât, ça c'est du dégât. Et ça c'est un peu du dodge. J'ai envie de faire ça. Je sais que je devrais faire ça mais... Society research concerns economic development, governmental policies, and espionage. Yes, on va pour faire de l'espionnage. Celui des frontières. Plus 15 dans la colonie, une voiture, quoi. De protection des unités réduit les 10%. En outre, 5% supplémentaire. Ok. Sens de simulation de combat. Contrôle d'expérience personnelle. D'accord. Sur l'eau, secteur côtier, vu qu'il n'y a quasiment pas d'eau, ça sert à rien. Sur cette map, ça permet aux unités de monter à bord d'un transport pour voyager sur l'eau. On s'en fout. Ça, c'est, on s'en fout, c'est aquatique. Tiens, 2 d'emplacement de bonheur et 6, plus 6 de revenus de bonheur. Ok. L'armée de la milice. De colonies pour inclure une unité plus puissante. D'accord, m'intéresse. Ça, c'est pour surveiller. Pareil. Ok, on va faire ça. Donc là du coup on recherche la manipulation de phase et l'installation de frontières. Bon, c'est pas trop mal. Allez, on va voir les bestioles. Ok. Du défenseur de sang, combat manuel. On est là pour péter des fions, on n'est pas là pour péter des fions. The battle has started, commander. The defending army always gets to act first, followed by the attackers. Ok, ça c'est intéressant à savoir. During a combat turn, each unit has 3 action points to spend on using their abilities, which can cost between 1 and 3 action points. Regardless of cost, using an ability always ends the unit's turn. Okay. Each unit has active abilities that they can use during combat.
Next to attacks, they have a guard ability, which increases the unit's defenses until the start of their next turn. Guard abilities always cost one action point. Try moving your units forward to form a gunline, Commander. There are several nearby obstacles that your Vanguard troopers can take cover behind, symbolized by shield icon when hovering over the hex in cover. Ok, donc j'imagine que c'est ça dont elle parle. A friendly unit has moved into cover. Cover protects the unit by making it harder for enemies to hit them with abilities. Cover is directional and only protects against attacks if it is between the targeted unit and the enemy. Ok. Donc du coup, ça c'est pour tirer. Mode de défense. C'est Overwatch. On va faire ça. Some units with ranged attacks can enter Overwatch. While in Overwatch mode, the unit will have a red eye icon above its head. This unit will fire its primary ranged attack at any enemy unit that moves or uses an ability on a hex within this. Commanders and heroes are some of the strongest units in any army, capable of wielding a variety of powerful weapons. Okay. And even. Donc ça c'est assez assez clair. Légèrement obscurci. Par quoi? D'accord. On va quand même se mettre là. Est-ce que je peux lui tirer sur ces cons? Non, je suis hors de portée. Si je me mets là. Mais là, je peux leur tirer dessus, mais je fais pas des masses de dégâts, du coup je vais me mettre là. Hop, toi tu fais te mettre là. Ton Overwatch. Toi, je vais te mettre là. Est-ce que tu peux tirer sur cela? Oui. Mais c'est pas génial. Oh non, tu vas te mettre en Overwatch. Et toi par là. On va te faire contourner. Faire contourner par là. Ok. Most abilities that are used on enemy units have an accuracy rating, which is the chance that the ability hits the intended target. Ouais, ils ont vu bien. Ah, du coup, mon héros, il était le seul à louper. Enemy down. D'accord, on a buté un ennemi par contre, ça c'est bien. Et le restant, je crois qu'il a attaqué à distance lui. Aïe. Aïe. Tiens. Voilà. Je vais utiliser mon héros pour essayer de le buter. On va bien voir. Enemy down. They've never stood a chance. Never stood a chance. Yeah. Je suis d'accord. Bon, j'ai pris un peu cher avec. Enfin, j'ai pris un peu cher. Ils sont perdus 12 de vie. Ça va.
Ok. Bio envahi par la végétation. Okay. Prendre la récompense. Objective complete. Développer votre colonie en annexant le secteur à proximité. Vous pouvez annexer le secteur en sélectionnant annexer ce secteur. Ok. Donc, du coup. Non, pas ce que je voulais faire. Planets are divided okay. into geographical sectors that contain natural resources or valuable remnants of the Star Union. Sectors can be settled with colonizers or annexed as provinces to existing colonies by interacting with the central sector map marker. Sectors usually have both a climb and a terrain feature that determine their economic potential. Okay. To make your colonies thrive, sectors need to be annexed to colony centers. D'accord. Donc, celle-là, c'est principalement de la bouffe et trucs scientifiques, j'imagine. Qu'on va annexer. C'était sur Vanguard, d'accord. Ok, ça prend un tour pour annexer. En attendant, je ne peux rien faire. Just annex the sector, and it can now be exploited for one of the main resources. Ideally, the chosen exploitation type matches the terrain. Ouais, ben, je me doute. Ok. De toute façon, agricole. Objective completed. Améliorer le secteur. Seigneur. C'est-à-dire... On va faire ça après. Moi je peux pas voir ce que... Ok, je peux pas voir. Bon, bah on y va. Ok. Alors, est-ce que mon perso il est monté niveau 1? Non, il est toujours niveau 1. Module marche. Est-ce qu'on met ça? Module d'amorce. Brûlure, vu qu'il est déjà en fusil laser, ça me paraît correct. Les fléchettes, je m'en fous. Mes chargements. Le reste, on s'en fout. Ok.
Et un fusil. On va mettre ça. Ok. J'aimerais bien aller l'aider, mais. Manipulation de phase. There is no obstacle I cannot pass through with my harmonic phase modulator. Matter doesn't matter. Who would suppose that substance is merely two waveforms in alignment? Tech Oila. Ok. Du coup, j'ai fait ça. Je peux pas faire ces deux-là, du coup. Ok. Je pourrais faire ça. Sacrifier, je m'en fous un peu. Je m'en fous, je veux ça. Je peux pas. J'ai pas suffisamment de connaissances. Ok. Social, c'est fait. Coût 150. Pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Ok. Non. Je dis non. Je veux pas, ça coûte trop cher. Je sais pas ce qu'il faut. Pékinisateur, ok. Enfin. Ouais. Objective completed. Si c'est en train de construire ça, il y a des gens qui sont en train de être là. Je vais mettre davantage en comme ça. Pas bien comme ça. Alors, par là. Ils sont beaucoup quand même. When engaging an army in combat, all armies adjacent to the defending army that are allied to either the defending army or the attacking army are drawn into combat as well. Ça me paraît logique. Donc, combat manuel, évidemment. Mon perso, on récupère. Je sais qu'ils attaquent au corps à corps. Du coup, on va pas trop s'avancer. Les autres sont où? Ils sont là. Et donc on va faire une espèce de regroupement. Enfin, du moins, on va essayer. Tu vas aller là-bas. Je
C'est des mecs au fusil à pompe, il me semble. Mais ils ont pas de système de défense. Ça va être ça. Du coup, ça qui va défendre à leur place. Pourquoi ils peuvent se mettre en... Ok. Je sais pas pourquoi elle a pas voulu se mettre en Overwatch. Bah lui non plus. Bah si. Je sais pas. Ils l'ont mis en cachet alors que bah apparemment je peux. Ok. Il s'est pas tiré dessus là. After the first round of combat, tactical operations can be launched by both sides. Tactical operations can be accessed using the operations interface button in the bottom right of the screen. Operations available. Ok, c'est ça. Du coup. On peut lancer ce genre de truc quoi. 25 de brûlure. C'est pas mal. Celui-là, ça va être le mieux, je pense. Comme ça, voilà. Parfait. Du coup, faut que tu le fasses. Non ? Envie ? Been staggered, causing it to lose an action point. Most melee attacks and explosives will stagger units. Alors je l'ai fait parce que du coup il y en avait pas mal qui étaient au même endroit. Il y en a qui mettent mort. Je peux pas tirer sur lui. Ok, c'est ce derrière compris. Ça me va. J'ai déjà eu au moins. C'est parfait. Deux au moins. Enemy down. Ouais, plus deux. Hors de portée. Du coup, on peut pas avancer. Toi, est-ce que tu vas pouvoir en sniper d'ici? Semble pas. Hein. Toujours pas ici.
Ok, bon, là, je vais prendre un peu cher, je pense. Voilà. C'est du coup le reste des mots. Mais bon. 50%. Ah oui, ça utilise 3 de... Ok. A unit attacked from the sides or back is considered flanked and takes increased damage. D'accord. Enemy kill. Par logique. Enemy down. They never stood a chance. Ça me paraît logique. J'ai pris un peu de dégâts avec eux, même. Ils ont gagné un niveau. Apparemment. Eux aussi. Là, tout le monde a gagné un niveau, sauf ces deux-là. Mais sauf eux, évidemment. Quoique. Objective complete. Okay. Mm-hmm. Du coup, je vais me mettre là et je fous une colonie. Pardon, c'est ce qu'il est en train de faire, j'imagine. Ok. Donc, ici. Elle est là. C'est toujours niveau 1. C'est niveau 1 aussi. Ok. J'ai toujours rien. Donc ça sert à rien que je continue. Hop, terminer le tour. Objective complete. Ah, s'il faut que je regarde ce que je fais. Qu'est-ce que je fais ici? Mais encore que de la bouffe, mais ils font chier. Je vais pas faire de la bouffe du coup. Surtout que la bouffe, je pense que j'en ai suffisamment. J'ai mis une bouffe. Oh, 19. Il n'y a pas de temps que ça. On ferme là-bas. J'aurais pu faire un lab là, en vrai.
Ok. Ici. Landmarks are remnants of powerful star union structures. There are three kinds of landmarks: bronze, silver, and gold, with increasing economic value. D'accord. Un instant. Je m'en occupe tout de suite. Il est là, 18h. Faut que je surveille l'heure, hein, parce que 21h, moi dodo. Hein. Donc du coup, que je me laisse pas prendre au jeu et que je regarde l'heure, 23h. Oh mon dieu, je suis foutu. C'est un truc de genre. Ça m'embêterait. Annexer le repère. Ah. Comment je fais pour l'annexer? Mythe de secteur attente, un colon supplémentaire. D'accord. J'attends d'avoir un colon supplémentaire. Operations available for priming. CD. Ou alors je peux faire ça? Parce que c'est ça qu'ils veulent que je fasse. On va faire ça. Hop là. Tourne-toi. Ordre requis. Oh non mais tu te calmes. Annexer. Putain, je peux pas annexer, bordel de cul. Pourquoi je peux pas annexer? Besoin d'un colon supplémentaire, oui. Colon me saoule. Arrêtez de mettre en production, s'il vous plaît. Ok. Croissance dans un tour. Ok. Bon, on va attendre un tour. Voilà. Non, voilà, je peux l'annexer. Voilà. Annexe. Je peux même pas aller conquérir comme je voulais. Donc, qu'avez-vous découvert? Ah, c'est pas génial. C'est ta connerie. Temps à perdre. Victoire. Yeah. Ok. Continue la campagne maintenant, puisqu'on a fini la... Ah, oui, ok. We barely escaped the surface of the planet before the void anomaly consumed it. We're lucky to have gotten the colonists out alive. These last few days have left me filled with more questions than answers. What happened on the surface here? What was that gravitronic wave that ripped through this star cluster? Well, it looks like we'll have plenty of time to sleep on this. The gravitronic force destabilized the void rift in this system, making faster than light travel impossible. We have to get home the old-fashioned way. It'll take us close to 200 years to reach the nearest Star Union hub. I have ordered everyone to prepare for cryosleep. We will see what kind of world we wake up to. Monde d'entraînement avant de poursuivre avec la compagne.
Monde d'entraînement. Pourquoi? Mais non. Je veux pas faire d'entraînement. La campagne. Taras. Sur chaque partie. Voilà. Du coup, ça c'est terminé. Donc là, 200 après un cataclysme, d'accord. Donc, résurgence, c'est quoi ça? Sectionner ce qui se produit quand le héros meurt durant une bataille. Bah, il meurt. Soyons logiques. Là, je peux personnaliser le commandant. On va le laisser de base, hein. On va faire vraiment campagne, quoi. Comment sa mission. Commander's personal record. Vanguard Expeditionary Forces. Cryosleep cycle completed. No casualties. Time since launch, 197 years. We're finally back. After a storm destroyed our hyperspace passage, we had to take the long way around. Most of us joined the Vanguard to escape our past. Two centuries should be enough to give everybody a clean slate. Time to contact Vanguard Central Command. We're heading for Leave 6, the military transit hub in this section of the borderlands. The crew is already speculating about visiting the Elysium parks. Gambling, booze, and promiscuous androids. Oh well, after two centuries of sleep, it's time for some fun. Ils sont en train de me dire que il y a des androïdes qui font des trucs de marché sexuel avec des androïdes. Ou alors qui s'amusent à bully des androïdes qui ne réagissent pas. Dans les deux cas, c'est très bizarre. Something is wrong. We have reached the Leave 6 star system. But instead of orbital patrol, there was only scattered wreckage awaiting our arrival. While searching for survivors, we spotted a ship of unknown configuration. Entering the planet's atmosphere, it ignored our hails. Residual void interference prevents us from scanning the surface. Mm-hmm. The Elysium Parks must wait. We have a new mission. We need to assess the strategic situation on Leave 6. Contact Vanguard Central Command and help them clean up this mess. Prepare for planetfall, for the Vanguard, and for the Union. Let's go. Welcome, Commander. I am Ava, your autonomous integrated virtual assistant. Ah, je vais désactiver puisque j'ai fait le tutoriel. Théoriquement, je devrais pouvoir m'en sortir. La recherche des survivants, envoyez vos éclaireurs OWN, recherchez toute trace de personnes en proximité, toutes les armes sont post-teams, porte un crâne, une faction par un groupe côté. D'accord. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il y a, moi? Ça, uniquement ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Avant-garde. Est-ce que je peux pas sortir de ce truc?
Ah, parce qu'on s'en fout un peu, quoi. Les chiens. Une quête d'exploration, d'accord. Objective complete. Du coup, il faut que j'aille là-bas. D'accord. Toi. Ça c'est pour le machin. Du coup tu vas aller explorer par là. Et donc ici on a... Ok. Ça c'est quoi ça? Marcheur écho. Ok. Donc lui il est prêt pour se taper un peu. Juste un instant, je vais regarder ce qu'il y a là. Ici on est en équilibré sur à peu près tout, donc on va prendre ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin? Je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qu'on aurait le plus besoin? Il faut que je me fasse déjà des sommes là. Bon, on va en faire 3. Ok, j'ai plus beaucoup d'énergie, tiens. On va faire un truc d'énergie du coup. Hop. Voilà. Ensuite. Pardon. Amitié, peine, neutre. Pour l'instant, on est en neutre. D'accord. Soldat. On peut échanger les soldats. Ah, pour l'instant, on va pas lui demander. Ça, c'est pour faire la guerre. On s'en fout. Pour l'instant, on s'en fout. On verra plus tard. On verra plus tard. Toi, tu vas rester là. En attendant. Puisque, bah, du coup, je suis en train de te faire une armée. Et du coup, je voulais voir. C'était. On s'en fout de ça. De Gift 7, de 6, ok. Et ça, on s'en fout. Ce que j'aimerais bien voir, c'est. C'est les opérations. Putain, ils l'ont foutu où? Les recherches. Ah bonjour monsieur Guikab. Je ne trouve pas l'endroit où on fait des recherches. Bon tant pis. Pensons on va se taper. On verra après. Donc. Combat à faible risque. Sauvegarder avant.
Ça vient à toi. Hop, prends ma manuelle. Faible risque, théoriquement. C'est des... J'ai des unités au corps à corps. Ok. Apparemment, j'ai des unités au corps à corps. C'est quoi ça? Évasion. Ok. Ah, c'est pas ce que je veux faire. Erreur stratégique. Là, je vais le faire contourner. Toi. Toi, tu vas mettre là. Ok. On va voir ce que ça donne. Je vais tirer sur le bidon après. Bon, je vais faire péter. Bon, j'espère que je pourrai tirer sur le bidon. Ah non, je peux. Ah. Pourquoi je me mets là moi? C'est complètement con. Peu importe. Voilà. Donc. Enemy killed. Unité en moins. Hors de portée toujours, sérieux? Je m'en fous, c'est des clones. Pas théoriquement. Damn it. Ok, c'était bien des clones.
ça va. Donc. Enemy killed. Enemy destroyed. Nice. Enemy our forces are victorious. Ressources de production déplacées doivent vous servir à construire. La voie scientifique. Ok. On n'est pas monté de niveau. Non. Je vais encore se déplacer un peu. On va faire revenir. Parce qu'on va nettoyer pour l'instant la map avec lui. Pour l'instant, toi, je te bouge pas. Hop. Terminer le tour. Alors, ici, toi. On explore, hein, on prend un peu tout ce qu'on peut prendre. Donc lui, il va aller se niger là-bas parce que c'est là-bas qu'il doit aller. Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai mis les trucs qui sont en construction. Ok, ça je recherche, et ça, voilà, message de faction, et nous maintenir, non nous devons pas de civilisation. Je suis pas prêt à aller me taper contre eux. Finir le tour. Là, normalement j'ai un nouveau soldat. Non. Il y a mon nouveau soldat. J'ai un nouveau soldat normalement. Je t'ai construit.
Il a directement été ajouté à cette armée? Je me souviens plus si j'en ai deux ou trois. Production ready. Mais il est où? J'imagine qu'il est directement avec elle. Ici. Tu peux continuer à explorer. Tu vas continuer d'aller là-bas. Ok. Tu peux te déplacer. Toi, tu vas aller péter la tête à ces bestioles. Combat à faible risque. Ah, pas convaincu. Il y a quand même du monde, hein. Je suis pas fan des unités au corps à corps. Même si du coup ils peuvent se cloner tout ça. Oula, il a l'air d'aller vite ce petit con. Alors. Qu'ils attaquent à distance. Ils ont l'air de vouloir me piter mon vélo d'eau. Ce qui me dérange pas. Que là tout va bien, j'ai pas d'opération, du coup je peux rien faire. On va se déplacer ici. Enemy neutralized. Ils sont pas niveau corps à corps donc. Du coup, je peux y aller, je pense. Non. Tirer si je peux sur eux. Enemy neutralized.
Finalement, le corps à corps, c'est peut-être pas si mal que ça. Il panique un peu, j'ai l'impression. Aïe, c'était pas mes clones. Je me demande s'ils détruisent, s'ils détruisent des clones, est-ce que ça détruit, enfin, est-ce que les deux sont détruits ou est-ce que c'est celui qui est. Unit lost. Okay, non. Autant pour moi. Au moins je suis fixé. Sol brûlant. Oui, bon, on va pas y aller là. Évidemment. Mais pourquoi il tire qu'une seule fois? Ennemi annihilated. Okay, eux, je pourrais m'en occuper après. Enemy down. Ok. Enemy neutralized. Il reste plus que. Parce qu'ils vont me détruire. Ok. Unit destroyed. On détruit ça. Je sais pas si grave que ça parce que je m'en fous un peu. Enemy neutral. They've never stood a chance. Je trouve le vélo d'assaut, c'est. Il y a beaucoup de. Comment dire. De. Enfin, il peut se déplacer quand même assez loin. Mais par contre, ses attaques, c'est quand même bien de la merde. En rang supérieur. Toi, tu es niveau 2. Nice. Blaster électrique. On va vendre le blaster. Je m'en fous. Par contre, point de compétence. Pilotage, non. Précision. Pas du néant. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Vitalité. Plus 10. Ça va, ça. Spécialiste à distance. Spécialiste à distance, ça pourrait être bien. Fine gâchette m'intéresse aussi. Attends, tous les unités. Ça pourrait être bien aussi. Je commence avec quoi? Elle a déjà spécialiste à distance plus 1. Apparemment. Du coup, on va mettre ça. Tac, un mode, j'en ai pas. Du coup, là, c'est bon. Je vais l'envoyer où? Je l'envoie là. Je vais récupérer un soldat. Hop. Je vais produire
passe ça comme ça. 3, ça me paraît pas mal. Du coup, cette armée est pleine. On peut pas aller plus loin de toute façon. Ça, c'est quoi ça? J'imagine qu'ils sont ennemis parce qu'il y a un crâne. D'accord. Tu peux pas aller plus loin. Je peux pas encore annexer. On a besoin d'un ou plus croissance dans un tour. Ok. Donc dans un tour j'aurai ce qu'il faut. Là j'ai mes deux. Là j'ai mon truc plein, donc du coup je vais peut-être aller par là-bas. Voir ce qui s'y cache. Production ready. Okay, elle veut des ordres, mais pour l'instant elle va rester là. Ça c'est bon. Ici, un à chaque fois. Ok. C'est bon. There is no obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on va rechercher ensuite? Ça peut être bien. Rechercher ça et ici. Hop, allez. Donc, on continue à avancer, ça je sais pas du tout ce que c'est. D'accord, ça, donc ça leur appartient, ok. Je vais annexer ça. Du coup, j'ai un truc ici. Toi. D'accord. Iron Man soldat. Oh. C'est quoi la différence avec le mien?
Hop. Toi, je t'ai déjà déplacé. Toi aussi, bah, c'est bon. Vas-y, ça, ça déplace. En effet. J'avais pas un truc avec diplomatie. Relation avec. Je sais pas, je crois qu'il voulait que je les aide à faire un truc, mais. Je sais plus quoi. Quelle faction? Paragon, ok. Super. Toi t'en as 3, ça commence à être une armée intéressante. Je vais encore attendre le dernier. Ensuite je l'enverrai au combat. Ici. C'est quoi ça? Maraudeur. On va prendre ça. Et on va aller par là-bas. Voir ce qu'il y a. Non, non, pure exploration. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Si je me déplace en bas, j'imagine que je me fais attaquer, un truc dans le genre. Production ready. C'est bon, t'en as 4. Operations available for priming. Ok. Accélération de photons. On va faire ça d'abord. Ça, je vais le mettre sur mon. Sur mon. Mon héros. Le fichier, je vais le mettre sur mon autre héros. Ici, développement aquatique, on s'en fout un peu. Surveillance de zone. On s'en fout aussi, je pense. Développement de nourriture. Développement de recherche. Développement d'énergie. Développement de recherche. Allez, on va faire ça. Donc toi, tu vas aller. C'est des ennemis, hein, les trucs avec les crânes. On est d'accord. C'est ça. Et ils ont quoi comme armée? Ok, on va voir si on peut les poutrer. On veut faire ça. C'est vrai. Munitions fléchettes. Voilà. Combat à faible risque, d'accord. Bah go. Ah, pourquoi elle est sur un machin? Elle peut faire quoi, elle? Canon monté.
Et pourquoi elle est dans un truc comme ça? What the fuck? Operations available. Ok. On va faire ça parce que si elle meurt, elle meurt. Le truc c'est que si je tire, ça m'est fait à mon tour. T'as 70% de chance de toucher, tu fais un loupé et en normal. C'est quand même très dégueulasse, je trouve. Enemy eliminated. Okay.
What? Ils sont carrément morts en fait. Killed in action. Eux aussi. Damn it. Comment ça se fait qu'ils viennent d'attaquer trois fois? Ils ont attaqué trois fois. Enfin le. Le truc sauteur là, il a attaqué trois fois. Alors que bah du coup il avait plus que deux actions. Donc attaquer trois fois alors qu'il n'y a plus que deux actions, c'est un peu bizarre. Je trouve. Hop. Mets-toi comme ça. Parce qu'avec ta. Ton truc de merde, moi ça me saoule. Ouais, attaquer comme ça. Normalement ça devrait passer maintenant. Espérons. Remplacer les unités un peu mieux maintenant que je sais à quoi j'ai affaire. Donc là j'ai des trucs au corps à corps mis à part le vaisseau. Operations ready. Ok. Ça va les ralentir. Là, il faut vraiment que je me mette à l'abri. Tac. Voilà. Là, ça devrait être pas trop mal. Bon, ils sont complètement bourrés à chaque fois. Ah, j'ai une chance en moins. Enemy eliminated. Se mettre là. Eux devraient pas pouvoir m'attaquer tout de suite, je pense. ~40% mettre en défense. Mais sérieux?
enemy destroyed. Ah, ce truc là il se faisait chier. J'aurais dû me concentrer d'abord sur ce truc là. Hein. Je pense. Enemy neutralized. Tu vas reculer. Ça fait beaucoup de vie. Our forces are victorious. Nice. Bon, j'aurais pu prendre moins de dégâts, je pense. Mais bon. Personne n'est mort. Tout va bien. Production ou électricité, mais du coup électricité. Laboratoire de ménage. Ça je peux pas. Putain, j'ai la haine. Je peux pas. Bon, je fais ça, bon. Ah, d'accord, j'ai déjà un truc. C'est pour ça. Ok. Toi, c'est bon. Toi. Ce niveau, non. Je vais faire quand même une avant-garde après. Histoire de combler le petit trou qu'il y a là. Ok, on va pas se taper pour l'instant. Hein. Je suis là pour explorer. Operations available for priming. Operations available for priming. Mise de la colonie. Soulever les frontières. On va faire ça. C'est les alliés, ça.
Happiness event in colony. Ok, d'accord. Les xénophobes. C'est pas très gentil. Il est où le pack? C'est là, il me semble. Instabilité, géothermique. Bon, il se régénère assez vite. Je pense que... prochain tour, ce sera bon. Demande la faction de par un mot. Si je refuse la demande, il va pas être content. Mais... juste fermer. Que j'en ai ils sont neutres avec eux, non? Si. On va accepter leur demande. On va accepter leur demande. Lasers are fat. Doctrine inactive. Okay. Voilà, là on n'est pas trop mal. Ici. Faire que ça. Bah vous. Objective completed. On prend la récompense. Ok, il faudra aller par là pour faire ça. Mais pour l'instant, ici je peux pas avancer. Donc, ok. Ça
je peux pas le prendre. Hein. Ouais, d'accord. Ah non. Ok. In conclusion, knowledge is power, but being well educated has an additional benefit. No one can call you stupid, especially if you've researched weaponry that could vaporize them if they did. Dr. Millicent Rickles, head researcher, Lazalite Incorporated. Okay. On va faire ça. Production ready. Ok. On s'en fout un peu. On va faire ça. Bon, je me fais pas attaquer, donc je pense que ça peut attendre. C'était quoi ça? C'est des ennemis, on est d'accord. On est en guerre avec. Ok. C'est bien des ennemis donc. Que ça fait ça. J'espère que ça vient pas au contact pour m'exposer à la gueule. Ce sera assez embêtant. What the fuck? Et pourquoi direct il m'attaque comme ça alors que je suis bien à couvert? Ok. Ah, ils ont une chance de cocu là ou c'est le jeu qui. Non, je peux pas sauvegarder. Parce que. On est d'accord que je les ai mis en. Vigilance. Apparemment, la vigilance. Rayon limité alors que les ennemis peuvent te poutrer le cul plus ou moins comme ils veulent en fait, j'ai l'impression. C'est la distance, ils s'en foutent un peu. Ou alors c'est parce qu'ils ont peut-être un mode qui leur permet d'avoir une grande distance, je crois. Parce que j'aimerais bien les laisser venir jusqu'à moi, mais bah si même en laissant venir jusqu'à moi, ils arrivent quand même à me péter le fion, c'est pas génial quoi. Euh...
On vient voir comme ça. Operations ready. Propre laser, c'est sur une seule personne, hein, on est d'accord. Ouais. Ok. Tu vois là, j'ai pas la distance pour les shooter. Alors que eux vont avoir la distance. J'essaie de les éparpiller un maximum. Ok. Enemy down. Que j'ai buté une unité, ça c'est cool. Je vais mettre là. Encore, encore, hein. Apparemment. Je pense qu'il va mourir à cause du feu. Non. Enemy eliminated. Enemy annihilated. Forces are victorious. Ok, j'ai pris cher pour avec eux, mais ça va. J'ai gagné un colon. Nice. Du coup, on va retourner. Il faut un colon. Supplémentaire.
Et j'en suis où niveau colon? J'en ai 7. Sans en 3. Ok. Attends, avant, elle est montée niveau ou pas? Non. Mais ah, tu vas foutre. Faire mal, je pense. Je ne le sens pas bien du tout. Bizarrement. J'essaie de me concentrer d'abord sur celui-là. Operations available. Ouais, faire sur lui, hein, je pense que 5 minutes, qui... ils doivent quand même de faire pas mal de dégâts. Voilà. Ah, je vais pas me mettre à côté de ça parce que bah, ça va exploser. On va éviter de faire des conneries quand même. Si possible. Quoi? Ah, la couverture elle est baisée. Ok,
Je me disais, c'est quand même... Faut la tirer au bon moment. Enemy eliminated. Il y a si peu de liens de PV. C'est quelque part agent. Ouais, dis-moi que tu le touches au moins une fois, quoi. Putain. Vous êtes incompétent ou quoi? Ok. Ennemi éliminé. Aïe, oui, pâté. Our forces are victorious. Objective completed. Production ready.
Incoming communication. Quantum-powered molecular machines are not magic, they're science. Production ready. If you
Operations ready. Damn it! Enemy neutralized. Enemy neutralized. Enemy down. Unit killed in action. Our forces are victorious.
Objective completed. Operations available. Enemy annihilated.
Enemy neutralized. Enemy killed. They never stood a chance.